t'as vu, tu connais mon intro. T'es en train de filmer là? Oui. Oh, mais non, mais je peux couper, t'inquiète. Non, je connais pas ton intro. Bonjour à tous, c'est Métisca, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de mon petit frère. Salut! Pour faire une vidéo dégustation de trucs que j'ai acheté à Funso. Chips au wasabi. Attention, ça a piqué. Oula. En plus, ça peut être oyo. Je sens qu'on va souffrir. Nous avons des chips au wasabi. On va en chier. On va devoir finir le paquet. Ah non, on en goûte une. Non, on finit le paquet. Ah non, on en goûte une. On finit le paquet. T'es sûr? Alors, tu veux finir aux toilettes? Oui. Mais non. Alors. On okay. va commencer par. On commence par les wasabi. Wasabi. C'est parti. On finit tout le paquet pour vous. J'ouvre ça. Je me suis donné une plaque. Prêt? On en prend une chacune. J'ai peur. Prêt? 3. On mange par petits bouts? Non, on prend toute la chips. Mais j'ai pas une. 3. J'ai pas une grande bouche. 2. 1. Mais j'en ai pas. Autant que tu le penses. Ça va, ça passe vite. Ça va, dans sa tête elle brûle. Non, tout va bien. Vas-y, mange ta chips. Je rigole, on n'a pas le rush. Mange ta chips. Si, c'est bon. Oh, il l'a mangé quand j'ai. Aïe, quand j'étais partie. Allez, on finit le paquet. T'as dit qu'on finissait le paquet. Ouh. On peut pas en manger une chacun. En vrai, c'est pas mauvais, hein. C'est comme de la moutarde. C'est bon en vrai. T'en veux une autre? Mort. Bon. Je suis. Mais toi, tu as tout mangé. Ah, la deuxième est plus forte. J'ai peur. Bon, allez, on arrête. On arrête pour tout de suite là. Oh. J'en prends une autre. Ouais, une. 20. T'es pas cap. Non. Hop, c'est fini pour ce produit. Il a fatigué lui. Deuxième produit, t'es dit mange ta chips, on efface tout. C'est bon ou pas? Alors ici, c'est de la vanille, la saveur, des gâteaux fours à la vanille. C'est des biscuits enrobés à la vanille. J'espère que c'est bon parce que je t'avoue que le truc m'en dit beaucoup. Ça donne envie, mais je sais pas. Après, quand ça donne envie, c'est pas forcément bon. Donc, on verra. Biscuits à la vanille. Au secours. Ça, tu vas pas dire que t'aimes pas. Oh, je te jure. Ça m'a fait pleurer ces wasabis. Alors, voyons oh, voir. Non. Comment ça se trouve? C'est pas sponsorisé. Ah, pas du tout. Tiens, un pour toi. Oh. Et un pour moi. Regardez ce petit truc. C'est trop chaud. C'est trop chaud. Tu l'as mis à l'envers. T'es sûr qu'on est à l'envers? Ah non. Prêt? Oh, bien. C'est de la merde. C'est pas mauvais. T'es nul. Mais c'est pas ouf. J'en veux encore. Pas pour moi. Ça va. Bien sûr, on finira tout ça à la fin de la vidéo. Ah oui, on la finira, ça je vous le dis. Nous sommes maintenant. Si au wasabi, on aura du mal. Là, nous avons un de mes produits préférés que j'avais essayé plusieurs mois auparavant. Enfin, voilà quoi. C'est
c'est des Mikado, mais c'est pas des Mikado, tu vois. Genre, c'est comme le Mikado, c'est-à-dire que c'est un arôme enrobé d'un bâton. D'un bâton... De merde. Un bâton, voilà. Et en fait, c'est de la mangue à la place du chocolat, tu vois. Parti. Alors, nous avons des pokis. Des pokis à la mangue. Faveur mangue, c'est très bon. C'est comme des Mikado. Et d'habitude, les Mikado, c'est au goût chocolat. Et là, nous avons la faveur mangue. Ah donc, tu dis que c'est bon alors que t'as pas goûté? Je pense que ça va être. Les Mikado à la mangue. J'ai mis 3 heures à réagir. Comment on ouvre ce truc? Ah oui, là, il y a ma queue. Défonce le paquet. Non, on défonce pas le paquet. Non. C'est une œuvre d'art, ce paquet. Pareil, je comprends pas. Ils ont une obsession, les Chinois, pour. Bah, les Asiatiques. Ça pour les. Un magasin asiatique. Un peu, mais. Big up à tous les Asiatiques. Mais ils ont une obsession avec les éléphants ou c'est comment? Pardon, c'est pour ouvrir les paquets. Prêt? Rendez-vous dans 3 ans. Et un pour toi. Oh, ça sent super bon. Et un pour moi. Regarde ça. Cette odeur, je l'adore. C'est parti. Un vrai délice. On sent plus le gâteau que la mangue. Comme un Mikado. Moi, je suis déjà fini. Ah bah oui, c'est trop. Elle est trop bon. Fruits mochi. Alors, nous avons goût orange, goût melon et strawberry, fraise. Tu crois pas que t'en fais un petit peu trop? Je sais pas, je peux encore goûter. Ok. On verra bien. Des fruits mochi, je crois que c'est ça, ouais. À l'orange, le melon et la fraise. Quatrième produit. Les fruits mochi. Attends, allons-y. T'es sûr que c'est le quatrième produit? Oui, je suis sûre. Comment on ouvre ce truc? Attention, attention vos oreilles. 4 ans plus tard. Je vais chercher un ciseau, les gens. 6 and a half later. 1 eternity later. Me revoilà. Ah. Avec les mochis. 20 milliards. Oh putain, je sens mal. Melon. Oh, melon. Et moi, je crois que c'est orange. Eh, on vide tout le paquet. Prêt? C'est parti. J'arrive pas à ouvrir. Wesh. J'arrive pas à ouvrir. Ah, mais c'est quoi ce truc? Wouh, ça a volé. C'est quoi ce truc? C'est tout mou. C'est spécial. C'est comme des chewing-gum. Celui qui trouve fraise en premier, il a gagné. Prends un paquet au hasard. Oh, du orange. Oui. T'as froid? Je mange une wasabi alors. Je crois que c'est frais. Oui, c'est frais. Ouais, dès qu'elle perd en fait, elle prend une wasabi. C'est dur. C'est dur. Alors là, nous avons des gâteaux à la pizza. Enfin, je crois. J'espère que c'est bon parce que moi je suis arrivée dans le rayon, j'ai vu pizza, j'ai fait bah je peux pas résister, hein, bien sûr. Alors nous avons un éléphant en petit fond, tu vois. Je sais pas pour. Oui, parce qu'il représente un peu la pizza, tu vois. En fait, c'est des gâteaux à la pizza. Ouais, c'est des gâteaux à la pizza. Voilà. On peut pas en dire plus. Il y a un éléphant dans le fond. Voilà. Les chips et l'éléphant. Les chips à la pizza. Vas-y. Oh. Bon bah vas-y, ouf, prends ton temps, hein. C'est pas vrai, un paquet de chips, il est délicieux. C'est des chips, quoi? Bah non, c'est des gâteaux, vraiment. Ils sont bons. Pizza. T'as le goût d'une vraie pizza. On a encore une. Bravo. T'as le goût d'une pizza aux chèvres. N'importe quoi, c'est une pizza. T'as le goût d'une pizza aux chèvres. C'est très bon. Bah regardez la fée.
non. Arrête, tu vas pas tout manger, faut en laisser pour plus tard. Oh 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 oh, tu te calmes. Alors, nous allons vous présenter un produit magnifique qui a été à la mode pendant quelques temps. Les verres. Je sais pas si vous connaissez, moi mes préférés c'était les ceux où il y avait tout est mélangé, tout est bon, tout quoi, tout est bon. Et là on va essayer goût, je crois que c'est citron et ananas. On verra bien. Moi je crois que c'est pas très bon. Nous avons le meilleur plat de tous. Et j'en fais trop. Les nerds. Alors nous avons des nerds au citron et à l'ananas. Bien sûr, on va en chier encore une fois. On mangera ça plus tard. C'est parti pour l'avant-dernier produit. Parce que j'ai perdu l'autre produit. Ah oui, l'avant-dernier produit. Les nerfs avant le pire. Je sais même plus comment ça s'ouvre. On commence par lequel? Citron ou pineapple? Citron. Le plus dur. Ah, je t'ai tout donné, wesh. Prêt? Attends, j'ai un truc dans la bouche. Avec ma pizza. Bon bah go hein. Citron. Arrête, tu vas pas y arriver. On voit tes gros pieds. Bon. Ouais, c'est pas mauvais, c'est mais vert. C'est pas ouf. Trop vert. Pineapple. Alias ananas. Pas mauvais le citron. Faut bien digérer. Tu es en train de manger toi. Je voulais absolument goûter ananas. C'est grave bon ananas. Moi je trouve pas ça très bon. Déjà de base j'aime pas l'ananas. Tu connais pas les plaisirs de la vie. Toi t'aimes pas le chocolat hein. Tu connais pas le plaisir du chocolat. Je m'en équipe. Alors voici de la viande séchée. Bah comme on peut le voir, ça a été fait au Far West. Elle a été séchée par le désert. La vie. Et voilà. C'est. Alors ça, c'est le produit le plus étonnant de tout le sac, de tout ce que j'ai acheté. C'est de la viande séchée. Plus précisément, comme il y a marqué derrière, du poulet. Du blanc poulet émincé. J'ai peur, mais bon, c'est pour des challenges quoi. Voilà. Dernier produit. Mais oui, je couperai. De la viande séchée. C'est que ça, il y a que ça. Non, il y en a encore dedans, mais je veux pas tout gâcher. Ça pue. Ça sent le poulet. Tu as dit goûte? C'est bon. Parce que ça pue le centaure. Bah, c'est pas mauvais, mais c'est bizarre comme goût. Mais non. Allez, vomir. Moi, je vais tout manger. Chips au wasabi, ça me sauve la vie. C'est pas mauvais. Moi j'aime bien. Ça me fait penser au bœuf. Et voir nature quoi. Non, elle m'a fait poulet. Alors? C'est dégueulasse. Voilà, après avoir tout dégusté, nous avons nos boules. Le bilan? Lequel as-tu préféré? Moi, c'est pas les deux là. Je penserais sur les nerds. J'aime bien les nerds. Moi, et après, celui de la mangue aussi n'est pas mauvais. Moi, je dirais les deux là. Après, ils sont pas mal aussi les autres trucs. Ceux-là, ils sont pas mal. Je vous laisse tester. Hein. Ça, c'est des boules. Tout ça est acheté à Funso. Là, nous avons des boules de pizza. Vous avez des boules de nerds. Voilà. Nous avons des boules. Bon, si vous avez aimé ce format de vidéo, dites-le moi en commentaire en dessous. Dites-le moi quel produit vous aimeriez goûter et quel vous allez acheter.
N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, hein Teddy. Un petit pouce bleu. Arrête Teddy. Un petit pouce bleu, voilà, des familles. N'hésite pas à t'abonner en dessous, là, ici. Et puis moi, je te dis à la prochaine. J'ai fait un rond magnifique. Tchuss. T'es prêt à déguster? Ouais. This is the final. Entre. D'accord. Personne répond. J'arrive. Je croyais qu'il y avait une voix derrière moi. Voix off. Oui, doudou. C'est qui elle? Bonjour. T'es qui toi? Bah, je suis ta sœur, Koukou. Ah merde. Bon. Bonsoir. Alors, nous allons vous présenter un produit. Mais arrête! Bon, donc, si vous avez apprécié ce format de vidéo, bah, dites-le moi en commentaire, là, en dessous. T'as dit! Et sinon, on va savoir pourquoi il y a un éléphant dessus. Arrête d'en faire trop! Mais j'en fais pas trop! Parti, deuxième produit! Deuxième produit! On a pris une assiette pour rien. Oui! Elle est sponsorisée par mes fesses. Arrête!